Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de matériel de la part de l'équipe de l'Open Hardware Algérie où il sera question d'Arduino et de Wi-Fi. Car nous allons vous présenter le Adafruit CC3000 Wi-Fi Shield qui permet, comme son nom l'indique, d'ajouter une connexion Wi-Fi à son Arduino. Il se présente comme ceci, dans un format standard pour les shields, qui peut être plugué directement sur, par exemple ici on a notre Genuino 101, donc il peut être plugué directement sur la Genuino 101, comme ceci. Voilà, nous avons ici, la connexion est parfaite. Et compact. Le shield est compatible avec les cartes Arduino Mega, la Leonardo et la Douai en plus de l'Arduino Uno. Il est basé sur le module CC3000 de chez Texas Instruments et qui se trouve à ce niveau et qui communique en SPI avec notre microcontrôleur et non pas en UART. Il supporte les normes Wi-Fi 802.11b et G, le mode de sécurité Open WEP, WPA et WPA2. Il supporte le TCP et le Stream UDP dans les deux modes serveur ou bien client, avec la possibilité d'avoir jusqu'à 4 liaisons par socket en même temps. Hélas, il n'intègre pas le mode AP, nous ne pouvons donc pas l'utiliser comme un point d'accès. L'antenne Wi-Fi se trouve à ce niveau, et il intègre aussi un lecteur pour carte micro SD. Dans cette version du Shield, vous pouvez ajouter des composants électroniques à ce niveau en les soudant directement sur la carte. C'est tout pour cette courte vidéo de présentation de l'Adafruit CC3000 Wi-Fi Shield. Dans nos prochaines vidéos, nous aurons tout le plaisir de décortiquer son fonctionnement et son utilisation dans nos montages. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne sur YouTube pour ne rien rater de nos futurs projets et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.